Salut à toutes et à tous, c'est Gallius, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le 20e épisode de Pokémon version Blanche 2, et voici un dessin de Loren31, The Loren31, qui m'a fait un magnifique Mew Shiny, bleu, avec mon pseudo de toutes les couleurs, avec même un petit cœur sur le vis, trop mignon. J'aime beaucoup ton dessin, franchement, les traits de, vous voyez, c'est fait au feutre, et c'est vachement bien fait. Donc franchement, un gros pouce vert pour toi, merci beaucoup. Voilà, donc on se retrouve ici, on est sur la route 22. Donc on va continuer. Mon équipe, alors, bon, celle-ci... Est pas, je sais plus si je les ai entraînés, je sais plus du tout. Au fait, si vous entendez des bruits extérieurs, c'est que j'ai ouvert la fenêtre, parce qu'il fait énormément chaud. Donc, Nostanfer niveau 49, je sais plus ce que... Ce qui s'est passé. Je sais plus. Accrocher venin, ok, dada... Ah oui, vous m'avez expliqué les techno boosters. Ouais, c'est ça, les techno boosters. Voilà, et l'autre, il sert pas. Même s'il est pas mal, il sert pas. Ah oui, je l'avais passé. Ah oui, d'accord, je m'en souviens. Je m'en souviens maintenant. Ouais, donc, les techno boosters, vous m'avez dit que ça se trouvait au laboratoire. Au laboratoire P2. Enfin, je crois, je sais plus, il y avait quelque chose comme ça. J'irai peut-être en chercher. C'est pas dit, mais j'irai peut-être en chercher. Donc, là il y a des combats visiblement. Voilà. On va en faire quelques-uns. Il y en a que je ferai hors caméra. Pour pas perdre trop de temps. Ensuite, concernant les réponses aux questions précédemment posées. Je me souviens la question du petit ami. Après l'autre, je me souviens plus. Donc pour les petits amis, il y en a eu, oh, je sais pas, 5 ou 6 qu'on dit qu'ils en avaient. Ouais, je crois. Voilà, après le reste, bon, se sont pas prononcés, ou sinon on dit non. Donc là, je crois que je me rapproche petit à petit de la ligue. Enfin, on me dit non, mais bon, moi je dis oui. Enfin, je sais pas, j'ai tous les badges. Bon, il y aura peut-être un événement, forcément. Il y aura Curem blanc à attraper. Pas à attraper, à affronter plutôt. Enfin, où je vais le voir. Curem blanc et voilà. Et la team plasma qui va surgir. Ça, c'est logique. Et je veux dire, je suis proche quand même. Pas dire le contraire. D'ailleurs, si vous me permettez. J'aime pas les Pokémon. Non, c'est pas vrai. Mais je préfère utiliser Super Repousse. Voilà. Alors. Ah oui, c'est vrai. Le Pokémon qui se tient devant toi se nomme Terrakium. Mais qui parle donc? Et voilà, Nikolai. Cela faisait longtemps, n'est-ce pas? Et donc, Terrakium est l'un des trois Pokémon qui a sauvé ses semblables des guerres humaines. Ma conjecture est la suivante, il a dû percevoir le danger que représente la team Plasma, et il est parti à la recherche d'un dresseur capable de les contrer. Il a décidé d'apparaître à tes yeux, fascinant. Je me demandais, comptes-tu te battre contre la team Plasma? Ouais. Tu confirmes mes hypothèses, tu possèdes la force de protéger tes Pokémon. Tu n'es pas l'un de ces dresseurs comptant uniquement sur son équipe pour se protéger. Ok. Mes récompenses? Alors qu'est-ce que c'est? Nicodule. Ceci est le prototype d'un dispositif destiné à provoquer des réactions de la part des Pokémon. Il n'est pas utilisable pendant les combats, mais je suis certain qu'il te servira à un moment ou à un autre. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon voyage, ton équipe et à toi. Tant que j'y pense, dans la grotte littorale sur le chenal 21, j'ai aperçu quelque chose qui rappelait la route 4. Qu'est-ce qu'il fait? N'importe quoi. Bon, on va pas l'affronter. Parce que j'ai pas envie. Voilà, c'est tout, point. Pas envie de l'affronter. Alors oui, je sais qu'il y a des Pokémon, faut faire gaffe, il y a des... Golets. Bon, je sais plus. Je sais que je vais en devoir en affronter un, comme lui, je suis sûr. Voilà. C'était évident, mais je sais pas, j'avais quand même... envie... Voilà, ouais, un Golet, c'est ça. J'avais envie, dans ma tête, que ce soit un objet, mais bon. Vous savez, c'est quand c'est ce truc que vous dites,
Non, mais je suis sûr que c'est pas le bon truc, mais je le prends quand même. Bah voilà, c'est la même chose. Ça me fait penser un petit peu comme dans... Comme ça, on va le faire. Comme dans Soul Silver et Heart Gold, où il y avait le casino là avec les Voltorb. Je crois que j'en ai déjà parlé. Et zut, je vais devoir le faire celui-là. Non, pas, attendez, pas forcément. Non, non, pas obligé. Et je dis, non, mais là, je suis sûr, il y a Voltorb, mais j'ai quand même envie de savoir. Et là, bim. Perdu. Ouais, c'est pareil. Ah, alors vous, les amis. Donc, ne sans faire que l'amiral, ils sont... Alors, en fait, oui, il y a... la fois, j'étais chez Suki, en fait. Bon, voilà, je vais tout vous dire. Et donc, je lui ai passé ma 3DS, et elle me les a entraînés. C'est pour ça que j'étais un peu perdu quand je regarde mon jeu. Je fais, mais qu'est-ce qui se passe? C'était pas là. Ouais, c'est normal. J'ai entraîné Genesect. Donc, elle me les a entraînés. Donc, gros bisous à toi. Merci de m'avoir aidé. Je me demande quand les autres vont arriver. Ce qui va suivre est très important. Bien sûr, le groupe parti sur le chenal 21 et du pain sur la planche. Mais notre rôle aussi. Ah, sur le chenal 21, zut. Ça, c'est Pokémon. Quand les. On a beaucoup. On reçoit beaucoup de. Ah, tout de suite, c'est l'hiver. Non, non, c'est l'été là. On reçoit beaucoup d'informations à travers les dialogues des personnages non joueurs, les PNJ. C'est vachement intéressant. Enfin, c'est Pokémon quoi, c'est comme ça. Hein. Je sais pas où est le chenal 21, vous m'excuserez. Hein. Je peux regarder la carte, mais bon, j'y vais un petit peu au talent. D'ailleurs, je viens de sortir la vidéo sur Pikagirl. Alors, je comprends que ça plaise pas à tout le monde, hein, c'est tout à fait normal. Moi-même, je me suis dit à la base, je devais la chanter en version originale, ce que je ferais normalement. Hein. C'est pas oublié. Mais pas tout de suite, de toute façon j'ai l'instru, j'ai tout, donc ça va être rapide. Mais... Ah tiens, un techno booster. Mais donc voilà, j'ai décidé de la traduire en français parce que déjà il y avait déjà des personnes qui l'avaient doublé en une autre version comme espagnol. Et j'avais trouvé ça bien, mais enfin c'était pas top. Hein. Mais c'était original, l'idée me plaisait, donc je me suis dit... Il faut que je la fasse en français justement pour que les gens... comprennent ce que disent, parce que les gens, enfin même moi, hein, quand on écoute une chanson par exemple à la radio qui est anglaise, on comprend pas tout, à moins d'être bilingue, mais forcément écouter du Sean Paul, ne me dites pas que vous comprenez. Hein. Et donc voilà, c'est pareil. Donc ouais. Donc je me suis dit je vais la faire en français, au moins les gens comprendront. Et pas mal ça. Et pas mal, je trouve qu'il est pas très bon en défense. Quoique il est bon en défense spéciale, attaque spéciale, mais défense, je crois que c'est pas trop son truc aggro, ouais. Enfin bref. Et donc. Mais je sais que c'est pas là, mais c'est pas grave, j'y vais quand même. Et donc. Voilà, donc j'ai décidé de la faire en français pour que tout le monde comprenne la traduction. Alors. Ah, il y a un objet. Quelle sûre. Mais. C'est pas tout à fait la traduction mot à mot. Parce que si je traduis mot à mot, il n'y a plus de rime, il n'y a plus rien, c'est moche. Donc j'ai changé légèrement les paroles, je sais pas si j'ai force, si normalement oui. Ouais. J'ai changé un petit peu les paroles, pour que ça colle. Et des moments ça colle pas trop, alors ça, bon c'est pas... Attendez. Chenal 21, c'est ça non? Ah non, quoi tube. Ah c'est là. Ok. Donc voilà, j'ai fait en français pour que tout le monde comprenne les paroles, tout simplement. Alors après je chante pas bien, enfin, je chante pas bien parce que je monte pas dans... Quand je monte dans les aigus ça va pas, et si je monte... Voilà, si je monte trop ben, ça va pas le faire parce que j'ai pas la voix pour monter dans les aigus. Contrairement, donc je chantais avec une fille, hein, je le rappelle, c'était une fille, c'était pas un garçon. Qui a une voix plutôt en effet. Je sais plus comment on dit ça. C'est pas soprano, juste, en fait c'est pour les filles, je sais plus, mais c'est un peu grave, vous voyez. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Voilà, donc ça a été un plaisir de faire cette musique. Et puis bon, j'ai pas un micro. Ah si, j'ai un bon micro, mais je veux dire. J'ai pas des trucs exprès pour le chant, quoi. Contrairement à elle. Voilà, c'était la petite parenthèse. Maintenant, on revient sur le jeu. Donc, la Team Plasma, qu'est-ce qu'elle nous réserve? Je sais pas. Je sais pas ce que... Oh, un Baby Manta. Baby Manta, 4e génération. Le bébé de Démanta.
Bah écoute, rayon signal, on va voir ce que tu veux. Grand large. C'est quoi ça déjà? Mais c'est fait exprès que ce soit pas efficace, c'était pour le capturer, mais bon. Je pense pas que... Non, voilà. Pas très grave. Ouais. Oh non. Bon voilà, je vais l'annoncer officiellement dans cet épisode, même si je l'annoncerai un peu plus tard dans un autre épisode. En fait, je vous réserve une énorme surprise. Ça sortira quand ? Ça sortira le 1er septembre. Il y aura une énorme surprise le 1er septembre. Encore toi ? Non mais, oh, barre-toi. Voilà, il y aura une énorme... Mais alors, si je peux, je dis pas que ça se... Enfin, normalement, il y aura... Bon, je vais prendre la fuite. Normalement, il y aura une énorme surprise. Le 1er septembre. Alors, je vous donne un indice. L'indice, c'est avant-première. Voilà. C'est tout simple. Avant-première, vous devez trouver ce que c'est le 1er septembre. Il y aura plus de détails, je pense, mi-août. Je pense. Hein. Mais ça va s'annoncer, les amis. Révolutionnaire. Mais bref, vous verrez bien, mais ça sera un truc qui vous plaira, je suis sûr et même certain. Et ça plaira pas qu'à ma communauté d'ailleurs, ça en plaira à d'autres. Voilà, retenez bien avant-première, normalement vous devez trouver. Et je vous en dirai plus dans un épisode de Pokémon XD, le 8 ou 9ème, je sais plus, parce que j'en ai tourné d'autres après. Après le 7ème. Je sais plus. Mais c'est pas là le cheveu. Attendez. Je sais plus. Et ouais, il faut passer par cette grotte. Mais non, j'y suis sur le chenal 21. Ah, à mon avis, ils sont dans la grotte. Ça peut être que ça, parce que j'ai rien vu sur le chenal de 21. Ils doivent être ici, grotte littorale. Donc. Donc. Normalement, voilà, je dis bien, normalement le 1er septembre, il y aura quelque chose. Je suis sûr que c'est pas là. Mais je sais, pourtant, je l'ai faite cette grotte. Mais je sais plus, moi, où est-ce qu'il faut aller. Ah oui, c'est vrai, il est bloqué. Et quoi, à droite? Ah non. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas voulu continuer. J'avais dit non parce que bah, je voulais le tourner en vidéo, justement. Ah oui, c'est vrai. It's true. Donc voilà, je vais battre son équipe bidon et puis, et puis après on continuera. Donc également j'annonce aussi que... Ah oui, fermeté, c'est vrai. J'annonce également que... Pardon. Voilà. Ah, c'est le matin, c'est pour ça. Oui, j'annonce qu'il y aura un grand tournoi de Pokémon d'ici... qui sera annoncé mi-août, ça c'est sûr. Mi-août, fin août, c'est quasiment sûr. Et mi-septembre, il devrait commencer. C'est un tournoi Pokémon sur Pokémon Showdown. Alors ne vous inquiétez pas pour ceux qui disent « Ah mais non, mais moi je connais pas Showdown, c'est en anglais et tout. » Je ferai une vidéo, bien sûr, explicative complète pour que tout le monde soit parte avec les mêmes bases, ce qui est normal parce que il y en a qui ne comprennent pas l'anglais. Bon, ça, s'ils ne comprennent pas l'anglais, ça va être un peu plus compliqué, mais de toute façon, enfin, l'équipe, vous avez tout le temps. Mais... voilà, je vous expliquerai vraiment comment faire votre équipe, où se rendre, comment ça se télécharge, est-ce qu'on peut jouer en ligne. Oui, bien sûr, tout ça, ça sera expliqué. Ce sera un grand tournoi qui, je pense, accueillera 128 personnes au maximum. C'est-à-dire que si j'ai que 60 demandes, bah, ça fera 60. Mais s'il y a par exemple 300 demandes, bah, les 128 premiers seront pris, comme on dit, premier arrivé, premier servi.
On va faire rayon signal pour pas que ça soit efficace. Ah non, c'est efficace. Ah zut, j'ai fait un coup critique. Bon, tant pis. Et aïe, ça, par contre, ça fait un peu mal. Donc voilà, il y aura un énorme concours, tournoi, pardon, et à la clé, donc en fait, ça se passera comment? Il y aura des poules, comme dans chaque grand tournoi de renommée. Il y aura des poules pour les qualifications, et ensuite, vous serez donc 8e de finale, ou je sais pas, 16e de finale, 8e de finale, quart de finale, etc. Et au moins, à la fin, il y aura des gagnants. Il y aura... des lots, bien évidemment, notamment Pokémon X et Y. Alors je sais pas si je l'offrirai au premier ou au premier, deuxième, troisième, parce que j'aimerais vraiment féliciter les gens qui participent. Oh bah tiens, c'est énorme ça. Parce que j'aime, j'aime bien quand les gens participent, ouais, tout simplement. Donc voilà, donc et ça dépend aussi de mes moyens, parce que je roule pas sur l'or. Donc voilà, si j'ai pas mal de moyens à ce moment-là et que je vois que les gagnants méritent, j'offrirai X et Y aux 3 premiers ou aux 2 premiers, ou si j'ai pas trop les moyens, aux premiers. Mais c'est sûr, il y aura X et Y à gagner. Il y aura également des petits trucs, genre des t-shirts, des casquettes. Bon, c'est là qu'il faut aller, j'imagine. Il y aura vraiment de tout. Il y aura au moins pour les... je pense... zut. Il y aura au moins... un lot, pas pour tous ceux qui auront participé, mais évidemment je peux pas. Hein. Mais il y aura des lots au moins pour ceux qui sont arrivés jusqu'en demi-finale. Donc c'est-à-dire... ouais, ça fait 4 personnes, je sais. Non, alors jusqu'au quart de finale. Normalement, il y aura des lots jusqu'au quart de finale. Je pourrais même offrir des abonnements XSplit, par exemple. Pour ceux qui souhaiteraient faire des lives ou quoi, qui aimeraient avoir XSplit, je peux offrir des trucs comme ça. Je peux... on va faire l'ensoleil, tiens. Voilà, je peux faire vraiment pas mal de choses, il y a plein d'idées. Le but, c'est que vous vous amusiez en faisant le tournoi, et bien sûr, bah, que vous le remportiez avec votre équipe que vous aurez formée au préalable. Il y aura des règles à respecter, mais pas trop. C'est-à-dire que, je sais pas s'il y en a qui se souviennent, j'avais fait un tournoi l'année dernière que je n'ai jamais terminé, malheureusement, par manque de temps. Je me suis lancé dans un truc carambolesque, c'était impossible de le finir. Et donc... c'est bien parce que ça passe vite. Je vois pas le temps passer en faisant ça. Il y a pas mal de choses là. Mais ça, par contre, j'ai pas plongé. Enfin, je crois pas, je sais plus. Non, je crois pas. Bon, voilà. On va aller là, tiens. Putain, mais je reviens à Bagelonne. Mais c'est quoi ce Beans? On va d'abord se concentrer sur ça. Après, quand j'aurai trouvé, je vous parlerai de... du tournoi. Voilà, j'ai ça. La Kidro, génial. Parce que j'ai rien vu sur Channel 21 en fait. Est-ce qu'il faudrait retourner voir la Team Rock, Team Plasma, ouais. Ah moi qui se cacherait par là? Non, y a rien. Là. Oui, 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 allez. Il n'y a strictement rien ici. Ouf. Non, il n'y a rien, il faut que je retourne sur les pas. C'est chelou, hein. Le truc, c'est que je peux pas aller là, je sais pas comment on fait. Il doit y avoir un moyen de rentrer dans cette grotte, non? Bon, toi, soit dis-moi. Ouais, attends, on va d'abord se concentrer sur ça. Là, j'ai dû louper des trucs. Là, y'a rien, on est d'accord. Bon, là, y'a une Pokéball, mais c'est pas ça qui va aider. Ah, je sais pas. Je suis perdu. Bon, finalement, je veux bien utiliser un super repousse.
Mais il m'en reste 24, bon, ça va. Faut pas dire que c'est pas beaucoup. Là, il doit y avoir quelque chose, il m'a dit Channel 21. Ma foi. Je comprends pas. Non, il y a rien là. Bon allez. On va le pêcher. Ah non, j'ai pas la canne, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais que faut-il faire? On va retourner vite fait là-bas, peut-être que c'est ça qu'il faut faire. Il fallait juste aller au Channel 21, mais je vois pas l'intérêt. Ah bah tiens, on va passer par là, c'est peut-être un raccourci. Juste pas tomber. Non, c'est pas là le raccourci, c'est pas possible. Punaise. Je suis obligé. Tais-toi et bats-toi. Oh. On va pas comme ça, Gedus. De Pokémon. Donc, toi, on va te faire de l'acier, super efficace. Bon bément. Donc voilà, il y aura un grand tournoi et les 128 premiers à participer, ou même s'il n'y en a pas 128, ce ben, sera le reste. Enfin, ceux qui participent. Pourront donc voilà remporter des lots et s'amuser en même temps. Et ça se passera sur Pokémon Showdown. J'ai estimé que le site était vraiment bien, pas besoin d'avoir sa DS. Mince, j'aurais pu changer là par contre. Pas besoin que ce soit compliqué. Il n'y a rien à faire de fameux. Non, mais on va changer. Je vais amener Arcana. Ouh. Déjà, je lui baisse son attaque. Éboulement en espérant que ça ne me mette pas KO. Bon, oh, c'est bon. Et maintenant, lance-flamme. Et voilà. C'est bon. Denis, je t'ai battu. D'ailleurs, faut que je pense aussi à la question du jour. Quelle est-elle, la question du jour? On peut éviter un peu quelque chose là. Pas grand chose. Hein. Bon allez, on y va à travers. Ah, presque. La question du jour, ça va être quoi? La question du jour, ça va être... Question ouverte plutôt. Parce que la question fermée, c'est pas bien. Donc la question ouverte, ça sera quoi? Ouais, je sais. Question bidon, hein, mais c'est pas grave. Bien sûr, le groupe parti sur Channel 21 a du pain sur la planche. Notre rôle aussi. Ah, vous fichez de qui? Y'a personne sur le Channel 21. Bon, on y retourne, mais. Oh, un cas d'oiseau, quoi. Un cas d'oiseau. Oui, la question du jour, ce sera quelle est. Quelle est votre boisson préférée? Alors, quand j'entends parler de boisson, ça peut être quoi? Ça peut être de l'eau. Ça peut être... bon, pas de l'eau, non, mais ça compte pas de l'eau. Ça peut être un soda, ça peut être de la grenadine, du sirop à la grenadine. Ça peut être de l'alcool. Ça peut être des cocktails. Voilà, ça peut vraiment être de tout. Sauf de l'eau, voilà, gazeux, pas gazeux, vous pouvez me dire l'eau gazeuse, bah, je dirais oui. Ah, je l'ai pas fait celui-là. Ah, j'étais persuadé que oui. Voilà, donc quelle est votre boisson gazeuse préférée et pourquoi? Eh oui, et pourquoi? Alors pour ma part, la boisson gazeuse que j'aime le plus... Oh, on va changer tout de suite.
La boisson gazeuse que j'aime le plus, ça serait quoi? Bon, déjà pas de l'alcool, j'aime pas l'alcool, c'est pas... C'est bien en soirée, mais sinon... c'est pas du plaisir pour moi. Ma boisson préférée, je dirais le Pepsi. J'adore le Pepsi. Le Pepsi ou sinon le... Le Québec. Québec. Ouais, le Québec c'est pas trop mauvais. Québec, Pepsi, voilà, j'aime bien ça. Coca, bon, j'aime bien aussi. Mais je préfère le Pepsi. Pepsi a ce petit goût que le Coca n'a pas. Et que j'aime beaucoup. Franchement, je suis tombé sous le charme. Minitop, on va le garder. Ouais, voilà. Donc vous, dites-moi un petit peu. Ah oui, vous savez que ce Pokémon est classé au niveau stratégique. Il est classé Ubers, c'est-à-dire parmi les légendaires. Enfin, les vrais légendaires. Les légendaires avec des statistiques vraiment abusées. Parce qu'il a une capacité spéciale qui permet, si je dis pas de bêtises, lors d'une tempête de sable, si je dis pas de bêtises, hein, je suis plus sûr, que sa vitesse soit doublée. Et ce qui fait que quand sa vitesse est doublée, bah, il devient surpuissant. Et donc il est classé parmi les Pokémon rares. Enfin, pas rares, Ubers. Ah, attendez, on va trouver Chenal 21. Il n'y en a pas 40 de Chenal 21. C'est juste que je sais pas chercher. Parce que si ça se trouve, je suis passé à côté. Je dirais... Non, non, mais c'est là. C'est là où tu vas. Non, passe pas par là. Oh non. Encore un épisode raté. Oh. Ouais, encore un épisode raté, je veux bien moi. Pour prendre des photos. Non, pas un épisode de raté, on va trouver. D'ailleurs, on va utiliser des super repousses. J'en ai, faut les utiliser. Donc, attendez, parce que là, je m'en mêle avec mon stylet. Donc, Chenal 21, on est d'accord, c'est là. Elle, c'est pas une fille de la Team Plasma. Ah, elle doit être sur cette île, mais non, on peut pas non plus. Je vais pas tous les affronter, c'est bidon, c'est pas ça. C'est pas ça, Pokémon, faut pas affronter les vrais. Oh! Non, on peut pas. Ouais, lui, c'était déjà fait, heureusement. Je sais pas, je comprends pas. De l'autre côté, peut-être? Mais je peux pas de l'autre côté. Si, je peux de l'autre côté, mais y a rien, c'est pas possible. Ouais, c'est possible. Franchement, je comprends pas. Il y a un truc qui se cache, il y a un objet caché. Il y a un truc, je sais pas. Il y a quelque... Ah, attendez. Il y a une grotte là. Comment on fait pour y aller? Pas y aller. Je sais en fait ce qu'il faut faire. J'ai trouvé. Enfin, je pense. Je pense qu'il faut passer par la grotte. Parce que là, il y aura rien, j'imagine. Non. En fait, il faut. Je pense qu'il faut passer par la grotte pour ressortir par cette sortie. C'est la seule idée qui me vient à l'esprit là. Mais pour y aller, j'en sais rien. Regardez, il y a ça. Je suis sûr qu'on peut y aller en surfant. Non, c'est une blague. Comment je vais en bas? Il y a une autre entrée, forcément, il y a une autre entrée. Franchement, là, je vois pas du tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là, parce que je vois pas. Bon, sinon, attendez. Ça m'énerve de couper pour rien. Je piche pas. Il y a un truc que j'ai dû louper, je sais pas. Bah, sinon, on reste un peu, on cherche. Sauter là, non. Ah, attendez.
Ah, j'ai trouvé, c'est bon. Ouf. Quel idiot je fais. J'ai trouvé. Voilà, par là. Ouf, ouf, ouf. Juste au moment où je commençais à abandonner, je trouve. Non. La voix du karaté, bon, on s'en fout. Laisse-moi finir mon épisode. Un Pokémon, bon, ça va aller. Ah, Bagaïde. Pokémon pas mal en attaque surtout. Statistique attaque. Maintenant que je me suis mis à la stratégie, je peux vous dire. C'est des Pokémon type overused, c'est-à-dire très utilisé. Et ce Pokémon est vachement utilisé. Après, voilà, il est ténèbres et combat, je crois. Ouais, pied voltige, j'ai appris que ça avait 130 de puissance, j'ai halluciné. Et la dernière fois, quand je l'avais sur mon Brasgali, je commence à faire pied voltige la première fois, bon, ça le ruine. Je le fais une deuxième fois, paf, je m'écrase au sol. Toute ma vie est partie, enfin presque. Presque toute ma vie. J'étais deg. Donc, un objet ici. Ouais, c'est bon, on va y arriver, mais on va pas aller jusqu'au bout, on va s'arrêter avant. Parce que ça fait déjà un épisode de... Peut-être un peu... Ouais, pas forcément long, mais un peu embêtant, je pense. Parce que j'ai pas fait grand-chose. Long et embêtant, c'est pas le top. Voilà, donc on va aller où? Ben, c'est le dilemme. Je vais tourner un épisode juste après, donc ne me laissez pas dans les commentaires. Ah, il faut aller à droite ou aller à gauche. J'irai dans les deux, de toute façon. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve très vite pour le 21e que je vais tourner, et peut-être le 22e que je tournerai aussi à la suite. Sur ce, n'oubliez pas de répondre à la question, quelle est votre boisson préférée. Et puis, à la prochaine, n'hésitez pas aussi à m'envoyer vos dessins, toujours à l'adresse mail qui est sur ma chaîne. Voilà, bye tout le monde.